observer, savoir si la bouée est en train de faire son travail. Elle est juste ici, je ne sais pas si vous la voyez. Là, il y a une patate nord-ouest. Là, c'est en train de passer ouest. Ça va passer sud-ouest et on va passer sud dans la nuit. Et on va donc se retrouver face au récif. Si on ira voir demain matin si la chaîne s'est pas prise dans cette patate-là. Mais déjà, nous, on les a mal placés. Ça, c'est sûr, on les a mal placés à cause des repères de Black Lion. Vous savez, les questions d'assurance, plus ça va, plus ça devient cher. Ici, on a appris qu'il y avait une assurance où les prix étaient assez abordables. Et on s'est dit, pourquoi pas se renseigner sur le prix d'une assurance pour Black Lion, vu que la saison cyclonique peut être très active à cause El Niño dans le Pacifique. Écoutez bien cette réponse, mais dans quel monde on vit? Bonjour, je ne peux pas travailler sur le pavillon de Nouvelle-Calédonie. En effet, une loi impose de passer par un cours en Nouvelle-Calédonie. Non mais c'est un truc de fou quoi. Est-ce que c'est vrai ça? Une loi? Black Lion est pneumatisé, mais si on n'a pas envie de passer par une assurance de Nouvelle-Calédonie, c'est quoi cette histoire? Et d'autant plus que souviens-toi que quand on a quitté la Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune assurance qui veut nous assurer tout risque pour un tour du monde. En marchant la tête. Là, allez, on arrête là, il y a chaud. Au sud-est de l'île de Matiemo, donc on est protégé du vent de sud-est. Après 24 heures de mouillage, comme hier nous étions ouest, savoir si ça a été efficace. La chaîne, je vais vous spoiler, je crois qu'on est accroché dans une patate. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça passe carrément dessous sous la patate, c'est que ça zigzague. Alors ça, c'est la merde à sortir. Non, là, c'est pris sur le dessus, j'aime pas trop non plus parce que c'est quand même pris sur le corail. On attendra que ça se calme pour dégager Black Lion de la patate. Que se passe-t-il quand nous sommes en alerte de forte houle? Une dépression est passée dans l'extrême sud et tout ça, c'est la houle. C'est en train de passer par le récif, l'eau remplit l'atoll. Il va falloir qu'il se vide et le fait de se vider, ça apporte énormément de courant dans les passes. Black Lion est juste ici. Dans 2 heures, elle sera complètement basse. Il nous reste 4 heures tranquillement pour pas se faire piéger par la marée haute. Mais on ne se fera jamais piéger par la marée haute parce qu'ici, il n'y a que entre 60 et 90 cm de marée. Bonjour les bananes. Et voilà, ça y est, ça commence. On va aller voir ce qui se passe là-bas au niveau du récif. Et voilà une place! Ça m'a l'air profond. Les contrastes de couleurs, c'est foncé chez le copra. En ce moment, ils sont pas là parce qu'ils viennent de faire leur dernière récolte. Donc le copra, c'est le coco, on aura l'occasion de vous montrer ça. Tout équipé, brosse à dents, salle de bain, antenne wifi, Starlink, ce qu'on peut être caustique, barbecue. Ah, il y a les toilettes. Et les toilettes avec le talc qui va bien. Ça, c'est un sac de copra dans lequel on met par 25 kg, il faut compter 150 francs le kilo, ce qui veut dire à peu près 1,30€ le kilo. De la coco séchée, c'est léger quand même. Hein. Format promo, ils ont le rhum doudou, ils le méritent. Sentez ça, les bananes. Ça sent trop bon. Oups, c'est froid. Nous sommes sur la côte extérieure du récif et numéro 1 de la pollution marine. Alors je sais que je vais me faire descendre. Hein. Ce sont les caisses en plastique où les poissons sont mis dedans. Comment un pare-choc de voiture peut atterrir ici, franchement, sur l'atoll de Matiemo en Polynésie? Ça fait quand même mâchoire de requin. Hein. Les bouts, les filets, les bouées de pêche, tout ce qui perd en mer, les briquets également, je sais pas pourquoi. Une balise GPS, le bout accroché au radeau. Et dedans, il y a une batterie avec des panneaux solaires. La plupart du temps, ça a erré pendant des milles et des milles dans l'océan Pacifique pour atterrir un jour ici. Je n'accuse personne, hein, je ne responsabilise personne. Mais voilà, ce qu'on retrouve la plupart du temps sur le récif, ce sont beaucoup de matériel de pêche perdu en mer. Aujourd'hui, il n'y aura pas de drone, les bananes. Il a du mal, c'est rare, mais il doit y avoir 25 nœuds et dès qu'il décolle de 20 mètres, il s'en va à Pétaouchnok. Yo! Petite pitchoune de langouste. Une grosse patte de langouste. Et la tête, et la tête. Et dis donc, elles sont bonnes aussi celles-là. Exactement dans les mêmes conditions de vent et de houle de l'atoll, sauf qu'on est à l'abri sous le vent. L'atoll n'est pas très haut, mais ça suffit. Les roses orangées, saumon. Letting memories go.
Bon, il n'y a rien à faire. J'essaye de faire voler le drone, mais beaucoup trop de vent là. Nous avortons les prises de vue aériennes avec le drone. Tu crois qu'il a été coupé, que celui-là, il y a... Bah, il y a les racines, c'est marrant. Quand vous partez en voyage, le jour où vous arrivez dans un endroit où c'est vraiment pas cher, et bah, limite achetez 10 paires. Il y a des fois où vous êtes vite embêté. Donc finalement, après, si on venait à repartir une troisième fois, on achèterait chacun 10 paires de claquettes qu'on foutrait dans le bateau. Et puis voilà, un point c'est tout. On a rien à foutre de la mode. Choupi a trouvé un cafard énorme. Il faut qu'on l'attrape. C'est où ? Tiens, Jaco ! Saloperie ! Putain ! Oui ! Pourtant, on est persuadé qu'on est indemne de cafards. Vous avez vu ce truc-là ? Il se cache là depuis je sais pas combien de temps. Saloperie ! Sifou, c'est lui qui a foutu la merde dans l'électricité là. Il a bouffé les câbles, Sifou. Tout ça pour une pompe d'évacuation, je sais que ça fait beaucoup, moi. Quelqu'un était enterré ici. De toute façon que le chien il attaque pas quoi. C'est ça qui habite Hubert, non? Ah, il est là-bas. Yorana. Yorana. Je cherchais voir s'il y avait du monde. Ça va bien? Oui, super. C'est toi, Hubert? Non. Non. Ce n'est pas moi. Ah, enchanté. Yorana. Vous êtes là depuis longtemps? Oh, une semaine. Ah, mais on n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était là, comme ça avait beaucoup soufflé. Enchanté. Bonjour. Vous êtes bien là? Ah oui. Vous faites c'est le copra là? Oui. C'est bon la météo? Oui, là. Demain, ça va baisser, vendredi, tout ça. Samedi, le vent va baisser un petit peu là. Pour la pluie, ça va? Pour la pluie, la semaine prochaine, il va y avoir de la pluie. La semaine prochaine. Bien, va aller. Va chez lui. Ah, avec plaisir. C'est gentil, merci. C'est gentil. Toutes les personnes qui sont ici, ils plantent un cocotier, c'est ça? Oui. Et ils inscrivent leur nom sur... c'est un cactus. On est content de vous rencontrer parce qu'on a beaucoup entendu parler de toi en fait. On a dit qu'il faut aller voir Hubert, mais on ne sait pas trop où tu étais. Ça fait une trentaine d'années que je suis là. Kril et Magali. Ah, ah Magali là. Oui, j'ai vu qu'il y avait Magali Martin. On vient de rencontrer Hubert, un monsieur qui habite là, ici, en ermite depuis 30 ans. Et là, je retourne au bateau tout seul. Ils n'ont pas de panneaux solaires ni d'électricité avec des batteries. Et du coup, on va lui charger son téléphone. On a des citrons, pamplemousse, encore des marquises, on va leur en donner, des piles. Un échange comme on aime. Ah, c'est génial. Le prix au kilo du copra, c'est 150 francs du kilo. De bonne qualité, bien séché. Si toutefois l'usine estime qu'il est mal séché, qu'il n'est pas de bonne qualité, ils leur donneront 55 francs du kilo. 55 francs du kilo, ça vous ferait l'équivalent de 40 centimes. Donc ils font très attention au séchage. Présenter Olivia, c'est la petite bouche-trou. C'est pas nous, c'est la fille. On retrouve nos bouche-trous. Non, c'est de toute façon, il y a que qui bouche les trous. Elle mini bouche-trou. C'est la fille. Elle a appris notre tube de l'été. Un petit nez, un petit cul, un petit nez, et ça fait un écureuil. Ça va cartonner. On est bon. Un bon arrangeur, un bon musicien, de la guitare. J'ai fait spéciaux. Un batteur, mais un batteur. Un petit cul, un petit nez, et ça fait un écureuil. Faire ma chanson lui a pas plu.
On est bon les bananes, on est bon. Vous pouvez avoir le bateau le plus propre possible. Avoir traité des petits parasites comme les petits cafards et les gros cafards. Ah oui, on a eu beaucoup de fruits à bord, on a dû récupérer ça. On a un doute là au niveau des gilets de sauvetage, on va retirer les gilets. La jacouille va être armée de son aspirateur et moi je vais sortir un par un les gilets. Et elle va aspirer ces saloperies de petites bêtes qui envahissent le bateau. Il n'y a pas tant que ça quand même, hein. Il y a beaucoup d'œufs, hein, ouais. Là, je l'ai eu. Il y en a plein d'œufs dedans. Tu l'as pas eu? Vaut mieux avoir des gros que les petits, les petits cafards japonais, on les appelle. Nous avons vêtu notre belle combinaison et nous allons aller explorer les fonds de cet endroit-là. Les fonds étaient sympas, hein. Beaucoup de bénitiers, plein de couleurs, belles petites plongées, pas trop de poissons bizarrement, mais corail vivant. Tranquille, on passe du bon temps tranquillement, ici à Matiemo. Le pilote arrive dimanche, donc bonne nouvelle. Vous y croyez, vous? On a mis à tremper la journée dans l'eau de mer. Et il y a un cafard qui vient d'en sortir encore. C'est impressionnant ces bestioles. Do you remember? L'extrait de citron, c'est pas l'essence, c'est l'extrait. Ça fait 10 jours. Les mettre au frigo et on va faire des yaourts. C'est magnifique là. Tu vous prennes en photo tous les deux? Non, ah, non, c'est bon. Assis. On en a plein. Bébé! Quoi? Viens, je vais faire une photo tous les deux. Ah. On quitte ce mouillage de Matiemo parce que le pilote arrive aujourd'hui. Et si tu dis que le pilote vient de cesser de fonctionner, si je fais on auto, il va balancer tout sur le bâbord. Toc, 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 j'ai plus le contrôle. Il y a 20 degrés, il veut pas passer. Allez, c'est un truc de dingue ça. Je vous jure, il est 10h32 et moi je n'ai plus de pilote. Juste là. Il nous a jamais fait ça. Je me suis dit c'est le capteur de barre qui dit des conneries, mais non, il marche très bien si je tourne à droite.
Ça fait bien longtemps que je n'avais pas barré, donc on va regarder quand même pourquoi le pilote nous fait ce petit cacané à vue. On peut pas naviguer tranquille, c'est pas possible, vous êtes toujours collé à nous. Découpleur le vent, vas-y bébé. Ouhou, le tricheur, il vient d'allumer le moteur. Ça refonctionne. Ce que j'ai fait, j'ai éteint pendant 10 minutes, réinitialisé l'ordinateur de bord du pilote. Et j'ai mis du contact électronique dans les câbles. Donc bah, je suis bien content qu'il y ait le deuxième pilote qui arrive quand même. Banane, j'ai un grand doute. On n'en a pas encore parlé ensemble, mais quand on habite comme ça, le GPS devient complètement fou. Il vous annonce des vitesses de 300 nœuds, il perd le GPS tous les 4 secondes. Il doit y avoir des déviations énormes magnétiques. Je suis en train de me demander si ça m'aurait pas déréglé mon compas gyroscopique. Parce que j'ai réinitialisé et c'est revenu à zéro. C'est depuis qu'on est arrivé au tourmoteur. Depuis AO, on perd complètement le signal quand on est en navigation dans l'atoll et on l'a complètement en dehors. Préparation de l'annexe. Donc l'annexe prend l'eau à cet endroit-là, elle fatigue. Ce produit-là, le 09 de Nautic Clean, c'est pas mal. Ça n'a pas trop marché. C'est un dégraissant, ça a du déjaunissant. Là, le Matchem, il est très très bien. Et de l'eau de Javel aussi pour terminer. On va dégraisser à l'acétone pour pouvoir réparer. Alors, je suis en train de poncer. J'aurai jamais assez de colle. Là, je mets du Sika. J'ai eu la flemme, j'ai fait aussi car de toute façon l'annexe elle est vieille. Quand on aura un peu de sous, on ferait penser à racheter une annexe. Elle a fait son temps quand même. Normalement Sika ça marche pas. On peut pas en mettre un patch par dessus. Si je veux faire ça en fait. J'ai fait un travail de merde. Souvenez-vous, on était à Kayakou. Et on avait acheté un truc pas cher, aquatique, et ça a pas bougé. Là ça va bouger, ça c'est sûr. Alors là on va pas vous mentir, mais c'est travail de merde. Alors là Jaco, il vient d'avoir une idée là. Ouais, comme toujours les bananes. La tête pensante. C'est des morceaux de voile qui nous restent et c'est assez rugueux la voile. Je pense que ça peut bien accrocher. Je sais que je fais du travail de merde là, je le sais pertinemment. Ne prenez pas ça pour un tuto en disant c'est comme ça vous fait, vous avez bien rigolé derrière votre écran de télé. Je sais aussi que quand ça commence à se décoller, ça c'est le début là. Quand vous mettez une fortune dans les produits, le problème c'est que si ça commence à se décoller là, ça va se décoller plus loin là-bas. J'ai pas envie de me lancer dans les grosses réparations quand c'est comme ça. Elle a fait son temps l'annexe, c'est juste pour éviter que ça prenne l'eau. Bon, si vous avez besoin d'idées, vous appelez la Jacouille. Franchement, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est souple. Et ce que je disais à Jacouille, en fait, ce qui fait l'étanchéité, c'est le Sika. Je le redis, c'est pas bon du tout. Je me suis fait ma Jacouille, tu vois, après 27 ans de mariage. J'ai toujours des bonnes idées, Chacun. Eh ben, je suis très surpris. Oh là là, surpris. Mais quel bâtard. On va essayer de sécher. Voilà. Ça fait propre. Ça, c'était génial. Ça fait partie du kit de réparation de la Highfield et ça, j'ai utilisé plein de fois. C'est du monocomposant, ça colle super bien. Regardez la réparation, vous sonnez, on l'avait fait il y a. Et on va compter en année, hein. Ça fait un an ou deux ans qu'on avait fait ça, non? Ça, si on retrouve ce site. Et là, regardez, essayez de trouver dans les vidéos, là, mais. On recoule cover de l'annexe. Bah, tous les fils sont cramés. Voilà, bah, t'as mis son voyage tranquillement. Et celle de pirate, quand on était arrivé après notre premier tour du monde, on l'a revendue. On l'avait surnommé Patchy, tellement qu'il y a des patchs partout. Et on vous le redit, hein, pour 200 balles, la Toyota, elle a fait un tour du monde. Plus qu'un tour du monde, la voiture pirate. De tout ce qu'on a eu, ça a été la meilleure. Si demain je lui disais je te quitte, eh ben, ça ne ferait pas grand chose, mais si sa machine la quitte, eh ben, là, je peux vous dire qu'elle serait malheureuse. Regardez ce qu'on a reçu. On l'a réceptionné. Un carton qui vient d'Allemagne. Il y a eu du vent cette nuit, un truc de fou. Il pleut plus. Alors du coup, Choupi est en train de réparer le reste de l'annexe avec cette colle-là. Bah, je mets ma colle bicomposant. Donc c'est l'année auprès où vous mettez dedans du catalyseur, quelques gouttes, 6 à 8%, et vous en collez deux fois. Une première couche, 10 minutes. Après, vous laissez sécher entre 20 et 25 minutes et voilà, il faudra presser. Mais ça, là, c'est quasiment impossible. Là, ça sera pour serrer. Si. C'est pas mal. Alors une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Et vous savez que la plupart du temps dans les sociétés, ce sont les femmes qui collent les boudins à l'armature parce qu'elles sont plus soigneuses que les mecs. Nous collons les velcro maintenant du cover.
pas la néoprène qu'on a mis là, il faut 72 heures de séchage. Je suis pas sûr qu'on attende 72 heures les bananes. Le retour de l'annexe, on avait besoin exactement. Bonjour les bananes. Aujourd'hui. Bonjour les bananes. Tu peux venir s'il te plaît, c'est quand même important. Ah oui, mais je vais m'habiller quand même. Mais demain, c'est pas grave, t'es en vacances, t'es à Tahiti. Les enfants qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, arrête de dire des gros mots. Il est temps aujourd'hui de vous présenter notre nouveau partenaire, SVB Marine, le spécialiste de l'équipement maritime. Comme vous savez, on a été contacté pendant la Transpacifique. Super content. Oui, on a dit oui. Ils nous ont offert gracieusement. Pilote automatique, avec télécommande. On était en Transpacifique et je dis à Majakou, prochain achat à faire, ça serait de racheter un deuxième pilote parce que un mois en mer, à tous les deux, puisqu'on n'a vu que tous les deux, ça ne serait pas du kikibistu qu'un de barré. Et dans la foulée, on est contacté donc par SVB Marine. Ils ont plus de 30 000 articles en stock. La livraison est rapide parce que le pilote, on l'a reçu ici au Tuamotu à Makemo. On a reçu le catalogue, vous pouvez aller voir sur le site. Aujourd'hui, nous allons donc parler du pilote automatique que nous avons installé. Peut-on installer un pilote automatique seul? Bah oui. Et puis de toute façon, je ne fais appel qu'à moi-même. Et à ta jacouille, qui va t'aider. C'est comme j'étais Zoro et elle, c'est Bernardo. Merci Bernardo. Parfois je me dis qu'il ne lui manque que la parole. Ou le cheval. Cannabis. Cannabis. Nous avons le vérin linéaire mécanique de type 1. C'est lui qui fait vup. C'est lui qui bouge la direction de Black Lion. Mais pour ça, il faut des informations. Et ces informations sont apportées par ceci. C'est un capteur central. Il donne des informations donc à l'ordinateur qui envoie au pilote, et ces informations, lui, il a 9 axes dessus qui surveillent les mouvements du navire dans les 3 dimensions. Le capteur central EV innovant combine les capteurs à semi-conducteurs sophistiqués, compensation automatique des champs magnétiques à bord et précision de câbles fiables. Le bateau il bouge comme ça, et il donne les informations à lui qui calcule, et il envoie l'information à lui. Nous avons évidemment le pupitre de commande qui est ici, tout neuf, ça va faire du bien. Hein. Quand on voit l'ancien que nous avons, qui a été cramé avec le temps. Pourquoi j'ai choisi aussi ce pilote-là? Je vais vous dire, celui qui est sur Black Lion, il a 15 ans. En fait, c'est le même, mais celui-ci, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Ça, télécommande. C'est la télécommande. Quand je serai en train de boire mon petit thé en haut de Black Lion, j'aurai juste à faire... Bip bip. À droite, à gauche. Et ça, je vais m'accrocher autour du cou comme ça. Puis voilà, vous verrez sur les vidéos avec un petit truc comme ça. Et, oh, il est joli le collier de Choupi. Mais c'est pas un collier, mais qu'est-ce que tu racontes? Par exemple, ici au Tuamotu, ben, il y a des patates. Souvent, je dis à Jacouille, vas-y, surveille devant parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et moi, je pourrais me mettre devant et avec la télécommande. Il va falloir trouver un emplacement pour mettre l'ordinateur, le capteur, le pupitre. Lui, très important. Alors, vous vous souvenez, l'ancien de Black Lion a été mis ici sur la direction, l'axe de direction de Blatchy. Il est ici. Et moi, ce que je vais faire, je vais le mettre au plus proche du secteur de barre. Coup de chance sur Black Lion. Nous avons un vérin hydraulique ici pour la direction. Et j'espère pouvoir le mettre ici. Si c'est le cas, alors là, franchement, c'est le top du top. J'espère que lui va pouvoir se placer exactement à cet endroit-là. Parce qu'il faut un support assez costaud. Parce qu'il y a de la puissance dans le vérin linéaire. Et ça a été fait pour l'hydraulique. Et j'espère bien qu'il va se placer correctement. Juste une question. En fait, l'ancien, du coup, tu vas le déconnecter? Mais non, tu n'as rien écouté. Ça fait 10 ans que je parle avec les bananes. Et toi, pour me remercier, t'appelles Doré Domoto. Allez, dis-moi. Mais je te dis que non. Mais du coup, les vérins, ils vont bouger en même temps, les deux, alors? Mais oui. Ah, d'accord. Mais il sera quand même déconnecté. Ah non, merde, il touche. Ah non, ça peut le faire. Oh putain, oh. Attendez, je vais aller voir. Ah, des fourmis volantes qui sont arrivées. On va changer de conversation. Si ça, c'est le mâle, et qu'il y a la femelle qui est tombée juste à côté, qui a perdu ses ailes, et que là, ils font crac crac boum boum, et qu'il y a du bois juste à côté, qui rentre dans le bois, ils vont copuler, ils vont pondre, ils vont faire des bébés dans le bois, et après, ça fait des trucs sympas. La petite sympa. Minute... Papillon. Ah, ça va être super. Et ouais. Hein? Mais il y a le trou déjà sur le secteur de barre, regardez.
C'est un truc de dingue. Tu peux me passer la rotule, le pied qui va là? Je peux vous dire que ça va pas bouger, hein. C'est fibré dessus. Alors ça va être un gagne-temps incroyable. Lui, c'est l'axe, il va être là. Ah, attendez, non, il y a un problème. Ah merde. Non, faut que ça puisse reculer. Est-ce que la barre est au milieu, ma puce? Tu peux regarder sur le capteur là-bas? Alors ça le fait pas, c'est trop con. Il faut que lui soit à peu près ici. Un prolongement de ce renfort jusque là-bas. Donc on a un bois très très long, c'est un bois rouge là qui est super costaud. Il va falloir que je fasse une petite plateforme pour boulonner là-dessus, repris là. Une base, une plateforme costaud, solide, qui ne bouge pas pour poser le vérin linéaire mécanique. Donc on va adapter cette plateforme que vous avez vue. Je vais couper à 40 cm, écoflow branché sur la circulaire. Et les écolos, on se calme, c'est du bois, hein. Il y a notre chouchou qui nous aide à faire les travaux sur Blacky. Tu mets du sika à ce niveau-là, ensuite tu prépares. Ça va être collé comme ça. Comme ça, c'est ce qui va être vissé, boulonné dans la paroi. Et ça va être le support collé aussi comme ça, avec le support. Ça va être du costaud. Toujours la ponceuse à bande et l'écoflow. Et on va poncer ça pour pouvoir coller, pour que ça soit propre, pour que ça colle bien. Avec de l'épiglu, c'est la colle époxy qui est ici. Tout ça va s'emboîter comme des Lego. Je viens de poncer comme ça le support de la paroi. Ça, c'est là où va aller ce truc-là. Blacky n'est pas en bois, donc c'est très très rare que j'utilise cette colle-là. Mais je l'avais depuis pirate.com et c'est vraiment une colle extra pour coller au bois. Et là, on va mélanger le tout. Et la bonne huile de maïs. Épiglu. C'est quoi la différence entre épiphile et épiglu? Épiphile, c'est un enduit. Et là, j'en colle toutes mes parties. Tu peux pas te mettre au-dessus du carton? Si, je peux le faire. Tu vas tout me dégueulasser, hein? Oh merde. Je m'en doutais, tu vas faire une connerie, je le sens. Hein. Oula, les bananes, au secours. Vous remarquez qu'il bricole avec son t-shirt neuf? Ah bah ça, c'est choupi tout craché. Ouais. Et voilà, il y en a sur la table. Je vais y nettoyer mes milieux. Vous vous rendez compte, les bananes, l'économie que ça nous fait, tout ça? S'il avait fallu prendre quelqu'un qui nous fasse un support, et le temps perdu, parce que du coup, on n'aurait pas pu le faire de suite, faut prendre rendez-vous, faut trouver la personne. Là, ça va faire comme si j'ai un joint congé, ça, franchement, ça va être indestructible. Alors. Sans être bricoleur sur un bateau, c'est quand même compliqué. Hein. Enfin, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut avoir des sous, du coup. Ah oui, mais ça revient combien de vivre à l'année sur son bateau? C'est hyper variable, c'est difficile de vous dire parce que ça dépend de vos capacités à réparer, à vous occuper de votre bateau et à trouver des solutions pour toutes les réparations en fait. Pépoil, bonne dose. Pépoil, ouais. C'est comme moi à la cuisine, je fais toujours les bonnes doses. Bien. On n'a pas un petit sergent des fois? Ah non, je crois que tu les as donnés à Haïti. J'ai donné mes sergents à Haïti pour une fois que j'ai mon servir, ouais. C'est pas grave. Moi j'appuie juste comme ça. Et ça va prendre comme ça. Hein. Faut surtout pas toucher, quoi. Faut pas avoir une personne maladroite à bord du bateau. C'est-à-dire? Eh merde. Il faut à peu près 24 heures de séchage. Avec la chaleur qu'il fait, je peux déjà le travailler dans quelques heures. Super, I am happy. Et en attendant, eh ben, il faut qu'on trouve les boulons. Et ça, par contre, à Mathieu, ça risque d'être un peu compliqué. Il n'y avait pas les boulons dedans. Hein. C'est le moment d'avoir de la chance. Allons-nous avoir les boulons pour fixer donc cette pièce-là, là. Donc 4 boulons, à mon avis, c'est du 10. 2 boulons qui vont être mis contre la paroi costaud et 2 boulons qui vont être repris sur la plateforme ici. Et là, je reviens dans ma petite boîte. Et de très bonne augure, j'ai l'impression qu'il va tout y avoir. Je n'ai pas les boulons qu'il faut, mais je peux adapter. C'était du 10, mais ça pourrait être du 12 ou du 14. Donc je vais percer ça. Alors c'est de l'alu, ça se perce très très bien. Vous vous rendez compte qu'il arrive à tout s'installer sans qu'on aille chercher quoi que ce soit au magasin quand même. Normalement, ça devrait être bon. Et voilà, c'est réglé. Et bien, coup de tuyau, on avait tous les bons boulots. Bon, pendant que Choupi fait son bricolage et que je l'aide en même temps, je fais de la cuisine. Un petit rôti de veau à la cocotte. Là, je vais faire du sucre liquide parce que j'en ai plus. C'est plus pratique pour le thé de Choupi. 1 kg de sucre et 1 kg d'eau. On laisse juste frémir et dès le frisson, eh ben c'est bon, c'est prêt.